προμεθα γαρ πολιτεία ου ζηλούσι τους τον πέλας νόμους, παράδειγμα δε μάλλον αυτοί όντες της συν ημιμούμενοι ετέρους Και όνομα μεν διατομή εσωλίγους, αλλες πλείονες εκείν δημοκρατία κέκλιτε μέτε στη δε κατά μεν τους νόμους προς τα ίδια διάφορα, πάση το ίσον, κατά δε την αξίωσιν, ως έκαστος εν το ευδοκινή, ού από το πλέον κοινά Moi, j'aimerais bien savoir comment euh, un jeune homme, aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, peut lire Thucydide. Et au fond, qu'est-ce qu'on peut y trouver de si passionnant Charles Ratt. Tout ce qui est raconté, en réalité, c'est passionnant. Ça se lit comme un roman. Et pour une raison très simple, c'est que les ingrédients qui suscitent d'ordinaire la fascination d'un public sont présents déjà dans ce récit, où sont narrés des faits d'une extrême violence, cruauté, contrastant avec la façon extrêmement intelligente dont ces faits sont racontés. Enfin, ce contraste provoque d'emblée un intérêt certain. Des épisodes nombreux euh, qu'on appelle les antilogies, par exemple au livre 3, les antilogies concernant le sort des Platéens ou bien des, des Mytiléniens, où on voit deux orateurs s'affronter euh, et délibérer euh, à travers une espèce de joute verbale euh, sur le sort qu'on va réserver euh, aux habitants d'une ville qui a fait défection puis qu'on a reprise. Euh, Est-ce qu'il faut euh, tous les passer par le fil de l'épée ou euh, simplement euh, la classe dominante et. Et garder la vie sauve au peuple, que faut-il faire des femmes et des enfants, etc. Enfin, c'est vraiment des, des débats euh, cruels. Si euh, ça, ouais. c'est pas du suspense, euh, pendant dix pages où on entend euh, euh, les orateurs s'affronter sur. et on sait pas quel sort va leur être réservé à la fin, ça capte vraiment l'attention. Et ce qui est frappant chez dit, c'est le contraste entre la narration de faits aussi euh, brutalement euh, violents, puisque dans plus d'un cas, la population est effectivement exécutée avec la finesse d'analyse et la finesse dans la restitution des discours des principaux orateurs. Les arguments sont extrêmement fouillés, développés, il y a une grande précision d'analyse, une grande précision de, de réflexion. On y est, on se prend d'intérêt pour le sort de cette population de la ville de Platé, pour le sort des Mytiléniens et on suit au cours des discours. Euh, l'argumentation de chacun des orateurs en se demandant quel va être euh, le jugement de, de l'Assemblée qui les écoute. Enfin, C'est extrêmement euh, terrifiant et passionnant. Une œuvre. Thucydide. Livre 1. Thucydide d'Athènes a raconté comment se déroula la guerre entre les Péloponnésiens et les Athéniens. Il s'était mis au travail dès les premiers symptômes de cette guerre, et il avait prévu qu'elle prendrait de grandes proportions et une portée passant celle des précédentes. Il pouvait le conjecturer parce que les deux groupes étaient en l'abordant dans le plein épanouissement de toutes leurs forces. Et d'autre part, il voyait le reste du monde grec se joindre à chaque camp, aussitôt ou en projet. Ce fut bien la plus grande crise qui émut la Grèce et une fraction du monde barbare. Elle gagna, pour ainsi dire, la majeure partie de l'humanité. Thucydide, historien de la guerre du Péloponnèse, une émission de Christine Gohémé réalisée par François Connac. Thucydide n'a jamais cessé d'être d'actualité. C'est ça qui est intéressant. Lorsqu'on redécouvre les textes grecs au XVIe siècle. Monique, très eh bien, bien. Thucydide aussitôt qui a été traduit par Lorenzo Valla, magnifique traduction à laquelle on se réfère encore aujourd'hui en latin, Eh bien Thucydide est lu par les humanistes et Hobbes, comme vous le savez, s'en euh, inspire. Et ce n'est jamais que le début d'une longue tradition. Nous aimons, euh, nous les Hellénistes, à évoquer euh, Thibaudet, qui avait son Thucydide dans sa musette pendant la guerre de 14-18, ainsi que Montagne et Virgile, et qui nous a laissé un merveilleux petit ouvrage qui s'appelle La campagne avec Thucydide et qui lui permettait, en pleine Première Guerre mondiale, de retrouver un certain nombre de catégories d'analyse que Thucydide avait déjà euh, découvertes. Euh, lorsque euh, passons à la période de la guerre froide, le nombre d'ouvrages qui ont été publiés sur l'affrontement entre les empires, empires terrestres, et évidemment tout le monde pensait à l'URSS, et empire euh, américains, eh bien, Thucydide était un guide de lecture pour ce type d'affrontement. Nous sommes sortis de la guerre froide, et récemment encore, je trouvais. Euh, dans la bibliothèque, le livre d'un de nos fameux anthropologues, livre qui nous vient bien sûr d'outre-Atlantique, mais Marshall Salins, qui a bien 80 ans, qui est vraiment l'une des grandes personnalités de l'anthropologie contemporaine, a écrit tout à fait dernièrement une apologie de Thucydides, c'est-à-dire qu'il prend encore Thucydide comme référence. Pour montrer qu'il ne faut surtout pas opposer l'anthropologie et l'histoire, que Thucydide lui-même, dans son récit de la guerre du Péloponnèse, s'est trouvé affronté à cette question quel est le rôle des, des peuples et quel est le rôle des chefs d'État dans la conduite ou des chefs militaires dans la conduite d'une guerre Donc, on ne sort pas de l'actualité pour Thucydide, je dirais, c'est un maître à penser, c'est un maître à réfléchir. Livre 1 en ce qui concerne les actes qui prirent place au cours de la guerre, je n'ai pas cru devoir, pour les raconter, me fier aux informations du premier venu, non plus qu'à mon avis personnel. Ou bien j'y ai assisté moi même, ou bien j'ai enquêté sur chacun auprès d'autrui, avec toute l'exactitude possible. J'avais d'ailleurs de la peine à les établir, car les témoins de chaque fait en présentaient des versions qui variaient selon leur sympathie à l'égard des uns ou des autres, et selon leur mémoire. À l'audition, l'absence de merveilleux dans les faits rapportés paraîtra sans doute en diminuer le charme. Mais si l'on veut voir clair dans les événements passés et dans ceux qui, à l'avenir, en vertu du caractère humain qui est le leur, présenteront des similitudes ou des analogies, qu'alors on les juge utiles, et cela suffira. Ils constituent un trésor pour toujours, plutôt qu'une production d'apparat pour un auditoire du moment. Thucydides, contrairement à Hérodote. Hérodote qui est l'historien qui l'a précédé, qui est de la génération antérieure et qui, évidemment, a eu un regain d'actualité, lui aussi, au moment où euh, l'ethnologie et l'anthropologie se sont développées dans nos pays occidentaux. Parce que Hérodote raconte le grand affrontement entre les cités grecques et l'empire barbare par excellence, c'est-à-dire l'empire du grand roi, la Perse. Et il montre dans son histoire cette merveille de la résistance des cités grecques qui ont résisté à ces campagnes répétées en 490 avant Jésus-Christ, 480 avant Jésus-Christ, euh, du grand roi contre la Grèce. Bien, évidemment... Il évoque les peuples auxquels s'est attaqué le Grand Roi et son œuvre est un répertoire non seulement d'anecdotes, mais aussi d'analyses sur les mœurs, la manière dont vivent les religions des divers peuples qui, soit faisaient partie de l'Empire du Grand Roi, euh, soit euh, ont été traversés par les troupes du Grand Roi. Tu dit, lui, c'est exactement le contraire. 30 ans ou 35 ans plus tard, euh, il est la génération qui suit il est né dans les années 460 à peu près. Il raconte sa guerre, et sa guerre évidemment est tragique, parce qu'au lieu d'être euh, la lutte courageuse des petites cités grecques contre un envahisseur beaucoup plus euh, fort et beaucoup, avec des troupes beaucoup plus nombreuses qu'elles ne pouvaient en aligner, c'est une lutte fratricide entre deux cités grecques, Sparte et Athènes. Sparte étant à la tête d'une ligue continentale et Athènes étant à la tête d'un empire d'où c'était réinterprétation possible dans l'histoire contemporaine et Thucydide se centre sur sa guerre en éliminant le plus possible les anecdotes en essayant de dégager les raisons de l'affrontement de ces deux grandes cités et en affirmant d'emblée que son récit eh bien, il le fait avec l'espoir que cela pourra euh, fournir des éléments d'interprétation pour ceux qui le liront dans les temps à venir. Pour toujours, pour toujours. Et c'est le fameux thème SAE euh, que chaque euh, amateur de Thucydide ou lecteur de Thucydide ne manque pas d'évoquer mon récit, eh bien, si cela peut servir euh, à interpréter, étant donné que le genre humain reste quand même fondamentalement le même, nous dit Thucydide, euh, si ça peut servir à y voir clair dans les événements à venir, c'est son principal but. Cela dit, quelqu'un de la génération euh, du miracle, ne parlons pas de miracle, mais disons des lumières en Grèce, n'est-ce pas C'est ce que souvent on a comparé le siècle de Périclès, dont Lucie est un grand représentant au siècle des Lumières parce que c'est une époque où justement après ce succès des guerres médiques, les grecs ont cru que tout leur était permis et partout on a cherché euh, à faire progresser toutes sortes de sciences, toutes sortes de savoirs la médecine bien sûr l'art oratoire, l'éloquence c'est l'époque des sophistes et Thucydide s'est inspiré a été nourri par ce mouvement intellectuel et euh, il est assez courant de dire qu'il applique à l'analyse de ce phénomène, la guerre entre Athènes et Sparte, des catégories d'analyse qui sont les mêmes que les catégories euh, auxquelles recourt un médecin devant un malade cherchant à analyser une maladie. Donc, Thucydide, comme les médecins, cherchent à euh, analyser l'élément, la cause déclenchante, qu'est-ce qui a fait que finalement Athènes et Sparte, en effet, sont entrés en guerre. Et puis, voilà, les facteurs préparatoires. Alors, mm -hmm. il remonte 30 ans plus tôt pour évoquer euh, les divers affrontements qu'il y avait eu entre les alliés d'Athènes et les alliés de Sparte, donc sur telle ou telle limite ou frange de l'Empire. Et puis, il aboutit à la cause la plus vraie. Et la cause la plus vraie pour Thucydine, c'est la crainte qu'a créée à Sparte la croissance de l'Empire athénien. Et ça, c'est évidemment une analyse avec ces divers niveaux de causalité qui nous renvoie aux recherches médicales du temps, indéniablement, mais c'est une analyse qui a fait la gloire de Ducidide pour tous ses successeurs dans cette belle science humaine qu'est l'histoire. Cette histoire du conflit entre Athènes et Sparte, Denis Knopfler. Euh, nous la connaissons essentiellement à travers son, son, son témoignage ou des témoignages plus, plus, plus tardifs mais qui ne pèsent pas très lourd face à ce témoin euh, oculaire qu'il a, qu a été. Euh, il reste que, il y a d'autres témoignages dont on ira peut-être quelques mots dans un instant, c'est-à-dire, précisément, les, les documents, les inscriptions, qui sont parfois très importantes et qui n'est pas toujours facile de, de, de concilier avec le, le récit de Thucydide. Et il y a le témoignage qui est incontournable également de, de, de l'archéologie au sens le, le, le plus large, c'est-à-dire d'abord les monuments d'Athènes, les monuments d'Athènes dont Marquons-le bien d'emblée, euh, Thucydide dit très peu de choses, ou pratiquement rien. Euh, l'acropole la, la, n'est pas évoquée dans l'œuvre de, de Thucydide. Il y a une mention au passage, euh, et pour des raisons purement financières, euh, de la construction, parce qu'elle a coûté très cher, des propylées. Des propylées, c'est-à-dire de l'entrée monumentale de l'acropole. Pas un mot du Parthénon. Et, et qui pourtant aurait pu faire l'objet d'une mention éventuellement, euh, ne serait ce que pour des raisons idéologiques ou financières, euh, dans le développement que tu cites si fait euh, des, des causes de, de, de la guerre du Péloponnèse puisque la, la construction du Parthénon, rappelons le, est euh, antérieure euh, d'une quinzaine d'années au à l'ouverture des, des hostilités, pas un mot non plus de euh, d'autres édifices que nous admirons euh, l'Erechteion, le, ce cette splendide construction qui a été réalisée pendant la guerre du Péloponnèse. Il l'a vu construire, au moins pour oui. ça dans sa première partie, puisqu'ensuite il, il a été exilé à partir de 424, pas un mot non plus à la fin de la guerre, de la construction du temple d'Athéna Niké, d'Athéna de la Victoire un monument, un édifice on ne peut plus idéologique et qui aurait pu avoir sa place éventuellement euh, dans, dans son œuvre. Tout cela, il le tient délibérément à, à l'écart, il n'est pas aveugle, il est tout à fait capable de décrire un, un, un édifice, il l'a prouvé euh, en, en décrivant minutieusement l'enceinte d'Athènes. Donc ce n'est pas une incapacité de, de, de sa part, il y a un choix euh, délibéré, se concentrer sur... Euh, le, le politique et le diplomatique, le, le militaire, faire une histoire politique de la il guerre du Péloponnèse. Il était euh, tout de même militaire, donc euh, on peut comprendre en effet euh, ce, ce choix de. de oui, militaire. Il faut faire attention quand on parle de la Grèce euh, antique. Euh, personne n'est militaire, personne n'est prêtre, personne n'est homme politique. On est tous là à la fois. Hein, euh, euh, faire une carrière politique en Grèce, euh, à Athènes en particulier, mais c'est vrai de, du reste de, de la Grèce euh, de manière très générale, c'est passer constamment d'un domaine à l'autre, à travers euh, les magistratures. Athènes, à l'époque de la guerre du Péloponnèse et plus tard encore, euh, est gouvernée par dix stratèges. Vous voyez que le mot stratège évoque à nos oreilles euh, quel, euh, quelque chose de militaire, mais ces stratèges ont un rôle euh, civil euh, très important, ce sont véritablement des hommes politiques et qui, euh, le cas échéant, peuvent aussi accomplir des, des rites de, de caractère euh, religieux. Il a eu une expérience de la guerre, hein. euh, c'est irremplaçable sans doute pour le, faire un récit d'une telle densité, euh, une expérience d'ailleurs malheureuse puisqu'il a été vaincu <laughs> comme stratège par un Spartiate pour Lequel il avait la plus grande admiration, c'est beau à, et bon à dire. On peut y revenir sur cette objectivité de, de Thucydide. Euh, ça arrive en 424, euh, donc six ou sept ans après le début de la guerre, dans un, un, un théâtre d'opération qui a été extrêmement important. C'est le nord de la Grèce, ne l'oublions pas. La guerre de Péloponnèse se joue au moins autant dans le nord de la Grèce et finalement en Sicile. Hein, c'est ce qui fait son caractère très général. Donc il est, il est vaincu là et il en subit les conséquences il politiques. Est exilé, donc. Il est exilé, ce qui ah. a été peut-être notre chance, euh, parce que cet exil, ça, ça va précisément lui permettre, euh, dans une certaine quiétude, d'écrire, d'abord de s'informer. Et il l'a probablement fait, selon une hypothèse récente que je trouve séduisante, il a probablement euh, passé une bonne partie de son exil. En un endroit stratégique, c'est euh, la cité de Corinthe, sur l'isthme de Corinthe. Et il était à égale distance des deux puissances euh, hostiles. Corinthe, clairement du côté de Sparte, mais euh, un véritable observatoire pour euh, comprendre l'évolution de, de, de la guerre pendant vingt pendant ans pendant 20 ans d'exil. En effet, a été stratège et euh, il n'a pas pu empêcher la prise d'Amphipolis. Alors là, je ne sais pas si les auditeurs ont une carte de Grèce en tête. Amphipolis, c'est au nord de la Grèce. C'est une colonie athénienne qui est très importante pour les ressources en bois euh, d'Athènes, pour la flotte en particulier. Donc cette colonie d'Amphipolis a été perdu alors que Thucydide était stratège. Je m'explique, lorsque les choses se passent, il y a déjà plusieurs années de guerre qui se sont écoulées, et les Spartiates ont compris, sous l'impulsion d'un chef tout à fait intelligent, et Thucydide nous donne un portrait de ce chef intelligent, qui est Brasidas, les Spartiates ont très bien compris qu'il leur fallait combattre Athènes là où elle était vulnérable, c'est-à-dire dans son empire. Et Brasidas, ce chef spartiate, va conduire ce qu'il fera passer pour une expédition de libération des cités grecques. Et ça, c'est euh, à la fois une, une idée euh, politiquement tout à fait intelligente. C'est un génie. Mais c'était évidemment très douloureux pour un Athénien de devoir rendre compte de ce fait. Car Athènes avait libéré la Grèce du barbare, mais maintenant Sparte entend libérer les cités grecques de l'Empire de l'oppression d'Athènes. Ce qui mmh. est un renversement évidemment douloureux. Or, Brasidas a été en effet accueilli comme un libérateur dans un certain nombre de cités de l'Empire. Et thucydide qui est parvenu à sauver la petite cité d'eion qui est proche d'amphipolis n'a pas pu sauver amphipolis. donc le peuple athénien démocratie directe le peuple dont thucydide nous dit qu'en effet il est parfois très émotif et vote en fonction de ses émotions. Du moment, sans penser aux conséquences lointaines, il y a toujours une opposition chez Thucydide entre cette émotion qui fait agir dans l'instant et la réflexion qui devrait permettre d'envisager les conséquences avant l'action. C'est un problème d'une cruelle manie. Oui, et donc Thucydide a été exilé à la suite de ce relatif échec qu'il décrit avec la même objectivité, la même discrétion euh, euh, sans aucun effort pour se défendre personnellement au livre 4 de ces histoires. Et donc, étant exilé, comme il nous le dit dans ce qu'on appelle la seconde préface, c'est-à-dire que la guerre du Péloponnèse, comme peut-être j'aurais dû le dire au début, a duré plus de 30 ans et il y a eu trois grandes périodes dans ce conflit de 431 à 421, c'est ce qu'on appelle finement la guerre de 10 ans, et qui se termine par la paix de Nicias, Thucydide est exilé à partir de 424. Donc, euh, toute la suite de la guerre du Péloponnèse, il a pu la vivre, comme il le dit... Euh, Lorsque la guerre reprend, c'est-à-dire ce qu'il raconte à partir du milieu du livre V, et ce sont les événements qui préludent la campagne de Sicile qui va être si tragique pour Athènes, eh bien, Thucydide explique que finalement il a eu la liberté de prendre ses renseignements aussi bien auprès des Athéniens qu'il croisait dans d'autres parties de l'Empire que de. Euh, des Spartiates et de leurs alliés. Donc, son souci d'objectivité et son souci de rendre compte des faits avec impartialité a été indiscutablement facilité par cet exil. Et pour nous, euh, nous pourrions dire que c'est une chance. Quelle chance, personne, oui. oui. <laughs> en effet. Livre 3. Après une journée d'intervalle, le combat reprit. Et le peuple l'emporta grâce à la force de ses positions et par la supériorité du nombre. D'autant que les femmes le secondaient hardiment, lançant des tuiles du haut des maisons et dominant leur naturel pour affronter le tumulte. Quand leur déroute fut survenue vers le soir, les aristocrates craignirent que du premier élan le peuple, attaquant l'arsenal maritime, ne l'enlevât et ne les massacra. Ils mirent alors le feu aux maisons autour de l'agora, y compris les immeubles de rapport, pour supprimer tout accès sans épargner leurs biens ni ceux d'autrui, de sorte que beaucoup de marchandises brûlèrent et que la ville courut le risque d'être entièrement détruite si un vent portant vers elle s'était mis à souffler sur l'incendie. On doit quand même souligner l'effort d'objectivité de Thucydide. Et cet effort passe d'abord son souci de, de l'information il est allé chercher l'information très loin de chez lui il a interrogé une foule d'acteurs c'est peut-être le côté un des côtés les plus les plus admirables de cette de cette le côté Parce correspondant, que, guerre, correspondant de, de guerre il construit mmh. euh, il, il construit son histoire à, à partir d'une information qu'il est le premier à réunir et ça c'est c'est une opération extrêmement difficile pour un historien parce que le plus souvent euh, un historien il construit quelque chose sur euh, ce qui a déjà été partiellement euh, euh, rédigé c'est ce que d'ailleurs euh, Thucydide a fait dans un cas et ça ne lui a pas particulièrement réussi à vrai dire vous savez euh, euh, il, il fait cette histoire euh, des cinquante ans qui séparent euh, les, les guerres médiques de, de, de la guerre du Péloponnèse pour montrer euh, conformément à son explication que euh, c'est le développement d'Athènes pendant ces 50 années, pendant la, ce qu'on appelle de façon un peu pédante la Penteconta Essi, hein, euh, que euh, cette, euh, cet accroissement d'Athènes qui crée euh, la crainte de, de, des autres Grecs et, et donc qui est la cause la plus vraie, la plus profonde de la guerre du Péloponnèse. Or, pour démontrer cela, il fait le récit de ces 50 années qu'il n'a pas vécu directement, sinon vers la fin. Et il s'inspire euh, en particulier d'un historien qui avait déjà fait cela, plus ou moins bien. Il le critique, il dit que ce n'est pas satisfaisant. Et ce qu'il fait à la place n'est pas, pas bien <laughs> meilleur, à vrai dire, <laughs> parce que là, justement, il va très vite, sa chronologie est, 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 est vague, sinon confuse, et, et elle suscite beaucoup de problèmes aux, aux, aux historiens. Les choses changent considérablement avec la guerre elle-même. Là, il la suit de très près, année après année, il y a une chronologie. Oui, séminaire. enfin, il en est le témoin direct. Et, et donc, hein. alors, il y a, il, il est clair qu'il il a pu se, se tromper, mais qu'il ait déformé sciemment la vérité, ce souci de donner la parole à l'autre, à l'adversaire, pour lequel, encore une fois, j'y reviens, il a parfois de l'admiration, en tout cas pour certains, Certaines des figures euh, dirigeantes, le, le Brasidas, le, le, le Spartiate, Hermocrate de Syracuse, ce sont des personnalités pour lesquelles il, il éprouve beaucoup d'admiration. Euh, il est clair qu'il est, disons, non pas sans réserve, mais il est favorable à Périclès, donc il est assez négatif sur bien des, des successeurs euh, euh, sur lesquels il porte un jugement euh, plutôt euh, sévère. Mais euh, je ne crois pas qu'il soit euh, véritablement euh, trompé par son idéologie euh, car c'est d'une certaine manière un modéré, Thucydide. Le régime qu'il préfère, il le dit dans, dans le dernier livre, euh, celui pour lequel il avait une, une véritable euh, euh, admiration, parce qu'il avait vu les excès de la démocratie aussi. Il avait vu les excès, naturellement, il les savait, de, de l'oligarchie spartiate, voire de la tyrannie. Euh, C'est un régime mixte. Des Thucydide lui-même euh, fait partie des familles euh, les plus riches d'Athènes, n'est-ce pas C'est un alors c'est Thucydide... un homme qui a de l'argent. On peut le penser. Euh, des mines d'or, je crois. Ça. Voilà. Ce que Thucydide dit très peu de choses de lui, et au fond nous ne savons euh, sur Thucydide que ce qu'il nous le peu qu'il nous en dit dans son récit, dans, ses, dans son histoire. Euh, son nom, Thucydide fils de Loros, laisse à penser qu'il était Lié à des grandes familles de Thrace, enfin du nord de la Grèce, et qu'en effet, il semble qu'en effet, sa famille ait exploité des mines euh, de cette région. Donc, euh, il a eu certainement l'éducation. Euh d'un jeune homme de très bonne famille, il a été formé par les sophistes indiscutablement, et on le sent dans son style, dans sa phrase, il a beaucoup appris des subtiles divisions et nuances de vocabulaire sur lesquelles jouaient les sophistes, mais il s'en sert lui pour analyser les situations politiques. Donc, indiscutablement, ça n'était pas un démocrate d'extrême gauche. Et ce qu'il admire chez Périclès, il nous le dit après la raison funèbre, il consacre tout un développement à la personnalité de Périclès. Et il admire chez Périclès d'avoir été un chef démocrate qui n'avait rien d'un démagogue, car il ne suivait pas le peuple, mais il guidait le peuple. Et il dit qu'il était suffisamment honnête, c'est-à-dire qu'il ne s'enrichissait pas mais au contraire il cherchait toujours l'intérêt commun donc cette grandeur de périclès qui faisait de lui au fond un aristocrate à la tête d'une démocratie mais un aristocrate au sens noble du terme n'est-ce pas le meilleur parmi les meilleurs il lui rend un très vibrant hommage et il attribue les malheurs d'athènes dans la suite de la guerre euh, au fait que les successeurs de périclès n'ont pas eu n'ont eu ni la même honnêteté ni le même courage, car Thucydide déjà était parfaitement conscient que pour s'opposer au peuple, il faut un certain courage, que d'ailleurs Périclès a payé parfois en n'étant pas réélu pendant un an, par exemple. « Philokaloumente garmet eftelias ke philosophoumen anef malakias, ploutote ergou malon kero ilogou kambou chrometha ke topeneste uchomologinti ti chron » Livre 2 Discours de Périclès. Nous cultivons le beau dans la simplicité et les choses de l'esprit sans manquer de fermeté. Nous employons la richesse, de préférence, pour agir avec convenance, non pour parler avec arrogance. Et quant à la pauvreté, l'avouer tout haut n'est jamais une honte. C'en est une plutôt de ne pas s'employer en fait à en sortir. Une même personne peut à la fois s'occuper de ses affaires et de celles de l'État. De même, pour la générosité, nous sommes à l'opposé du grand nombre. Ce ne sont pas les services qu'on nous rend, mais nos propres bienfaits qui sont à l'origine de nos amitiés. Or, le bienfaiteur est un ami plus sûr. Il veut, par sa bienveillance envers son obligé, perpétuer la dette de reconnaissance ainsi créée. Celui qui est redevable, lui, a plus de mollesse. Il sait que sa générosité, au lieu de lui valoir de la reconnaissance, acquittera seulement une dette. Et seul, nous aidons franchement autrui en suivant moins un calcul d'intérêt que la confiance propre à la liberté. Depuis 15 ans, au moment où la, où la guerre éclate en 431, Athènes elle est symbolisée par un homme. Périclès C'est Périclès. Alors, il est tout à fait étonnant de voir chez Thucydide une exonération totale des responsabilités de Périclès dans l'affaire. Patrice, C'est là où, si vous voulez, il est intéressant et même utile, voire nécessaire de regarder d'autres sources à notre disposition. Je pense alors évidemment ce sont des fragments, ils sont pas faciles à lire, ils ne sont pas traduits en français, donc vous voyez, c'est jamais commode d'aller de, de, les voir, mais on, on, a des, on a des fragments de d'un de, de, de poète, euh, poète comique qui s'appelle Kratinos, ou d'un autre qui s'appelle Platon le comique, hein, ce n'est pas euh, à distinguer évidemment du philosophe, mm -hmm. qui indique que, très, très nettement que pour les Athéniens du début de la guerre du Péloponnèse, Périclès avait une grande part de responsabilité dans le déclenchement de la guerre par son intransigeance. Voyez et, et, euh, et dans cette, évidemment que l'impérialisme athénien et que finalement tous les athéniens bénéficiaient de cet impérialisme on est bien d'accord bien sûr mais il y a chez, chez thucydide cette, cette volonté en fait d'exonérer de, euh, de, totalement périclès de toute forme de responsabilité et ça on peut considérer que effectivement on, on a le droit je pense légitime de le critiquer. Alors, euh, allons-y. Quel est le périclès euh, que vous nous proposez de regarder, Patrice Brun, dans la mesure où, effectivement, euh, vous avez l'air de dire qu'on est un peu victime de la campagne euh, idéologique menée par Thucydide en faveur et d'Athènes et de périclès, et de l'Athènes de périclès Quels sont, les, et, au fond, les, les textes, les pensées qui peuvent venir euh, euh, fracturer un peu cette image euh, Assez géographique de Périclès qu'on peut avoir. Il y a le, les, les poètes comiques, il y a quand même quelques propos d'Aristophane hein, dans Les Acarniens, si mes souvenirs sont bons. Euh, donc les poètes comiques que j'ai cités. Et il y a également la, la, la vie de Périclès, écrite alors bien plus tard par Plutarque au IIe siècle de notre ère, mais qui s'appuie sur des travaux, enfin sur des, des, des textes aujourd'hui disparus, et qui offre de, de Périglès une vision, je dirais, pas fondamentalement différente. Ma position, elle, elle, est, elle est que dans la géographie proposée par Thucydide, il y a une part, si vous voulez, de, je dirais de, on va dire de, de, de sympathie d'un aristocrate pour un autre aristocrate, et peut-être plus encore, ce regret a posteriori. De euh, l'apparition à la tête de la cité athénienne de gens qui ne sont plus des aristocrates, de, de vrais roturiers. On a, si vous voulez, un peu, euh, avec Thucydide, le sentiment que certains nobles ont pu avoir, vous voyez, au moment de, euh, je dirais, de, au XVIIIe siècle, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, où en quelque sorte, le pouvoir politique, cet ascendant que l'aristocratie avait sur l'ensemble du peuple, a tendance à disparaître. Donc, la, la version que je proposerai de, de, de Périclès, c'est euh, un homme qui a des qualités extraordinaires. Enfin, je crois qu'il ne faut pas le nier, je ne veux pas le nier. Il avait notamment, probablement, une ascendance euh, morale très forte. Mais hein. cette ascendance, qui était due à, évidemment à, à ses qualités personnelles, s'appuyait aussi sur tout un, un passé familial. C'est-à-dire que euh, Périclès était le descendant de celui qu'on peut considérer comme le fondateur de la démocratie athénienne. Il était le, 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 le petit-neveu de Clistène. Oui. Il était aussi le fils de Xanthippos. Xanthippos qui a, a largement participé à la, la, la victoire athénienne euh, durant la Seconde Guerre médique. Et c'est notamment lui qui s'est emparé de la, de la ville de Sestos en 479. Donc il y a, si vous voulez, euh, Périclès s'appuie sur ses qualités propres, mais aussi sur, en quelque sorte, tout le poids que lui donnent ses ancêtres. Je crois que ça, évidemment, cette, cette légitimité, parce que pour les Athéniens, pour les Grecs, cette ancienneté est une légitimité. Les, les successeurs ne l'avaient plus par conséquent, pour s'imposer sur le plan politique à l'assemblée d'athènes, quelqu'un comme cléon ne pouvait pas exciper d'ancêtre glorieux. et par conséquent, il est sûr qu'il devait manier une autre rhétorique, alors une autre rhétorique que thucydide nous décrit comme plus violente. d'autres nous disent, notamment dans aristote dans la rhétorique, que les successeurs de périclès utilisaient je dirais, des, des propos plus directs, des, 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 des situations imagées. et indiscutablement, il n'avait plus cette légitimité liée aux ancêtres. Et je pense que c'est ça, en fait, qui est, qui est la caractéristique de Périclès, c'est qu'en quelque sorte, il est, il est un personnage qui lui-même a une, une autorité naturelle, et qu'en plus, cette autorité, autorité naturelle est accrue, si vous voulez, vous voyez, elle est presque, je dirais, exagérée par tout ce recul familial qui lui donnait, si vous voulez, une aura exceptionnelle. Que nous avons ce livre, et eh bien c'est un livre en huit livres avec un livre un, Monique Prédé qui nous retrace, avec ce souci d'expliquer que j'évoquais tout à l'heure qui nous retrace tout ce qui a préludé à la guerre et car Thucydide entend démontrer que le conflit entre Sparte et Athènes durant cette guerre du Péloponnèse a été la conflagration la plus importante qui ait jamais connu le monde habité, et il part d'Homère pour passer en revue les divers conflits qui ont eu lieu et nous montrer que vraiment là, c'est pratiquement l'ensemble de la Terre habitée qui a été touchée par ce euh, combat opposant deux empires. Bien. Et le récit de la guerre proprement dit ne commence qu'avec le livre 2. Sur évidemment. Loup, euh, alors, une attaque. Thé. Voilà, une attaque euh, célèbre. Thèbes, oui. célèbre, contre Platée, la cité de Platée, qui était la seule cité béotienne à ne pas avoir pris le parti du barbare, du Mède, pendant la guerre précédente. Donc, c'est un crime contre l'hellénisme, en quelque sorte, cette attaque euh, de Platée par les Thébains. Euh, mais le livre 2, attention, euh, qui s'ouvre sur Platée, se clôt. Euh, sur la mort de Périclès, les derniers discours de Périclès après l'oraison funèbre, l'oraison funèbre des premiers morts qui, qui est prononcé à la suite de, euh, des obsèques des morts de la première année de guerre. Alors c'est presque un discours générique, enfin, on Alors, a l'impression que là c'est l'exemple le, absolu du discours funèbre. C'est... En effet, l'exemple du discours funèbre, mais c'est un discours funèbre de célébration qui reste un discours politique. Et c'est un éloge du régime athénien, d'un régime tel que le conçoivent les Grecs, c'est-à-dire que c'est à la fois un éloge de la Constitution et de la démocratie directe et du dévouement de chacun qui est partie prenante dans la décision, donc du dévouement de chacun à sa patrie, mais c'est aussi une évocation du mode de vie démocratique. Et c'est là qu'on trouve ces formules admirables. Euh, nous ne pensons pas que la parole soit un obstacle à l'action, ce qui est évidemment une critique implicite de Sparte, où l'on parle très peu. Nous pensons au contraire que la parole est faite pour éclairer l'action. Nous aimons à euh, nous recréer notre esprit dans des fêtes au théâtre etc philosophes nous aimons la philosophie ou plus exactement la réflexion car le terme philosophie n'est pas encore entré vraiment dans la langue euh, donc c'est un éloge de l'ensemble du mode de vie athénien et euh, si l'on compare au brûlot euh, qui émanaient des oligarques et qui critiquaient la démocratie ethénienne, on voit tout l'éclat et, et la, la grandeur de ce discours car euh, il y avait de nombreux pamphlets qui expliquaient que Athènes n'était absolument pas une cité sérieuse, qu'à Athènes, il y avait trois fois plus de jours fériés et de jours de fête euh, qu'ailleurs, que les Athéniens, oui, pas mais plus d'un tiers de l'année à festoyer euh, euh, pour célébrer tel ou tel dieu. Etc. Et ce qui est mis en relief dans ce discours, c'est l'harmonie de ce style de vie démocratique avec. Les, les devoirs que et rigueurs, en même voilà, temps, exactement. Quoi. Et, ça, vraiment voilà. magnifique. et le jugement qui suit, alors le jugement de Thucydide, qui à ce moment-là reprend la parole en son propre nom sur Périclès, est évidemment, je dirais, la suite tout à fait naturelle de ce magnifique discours, où euh, Thucydide, prenant à ce moment-là la parole en son propre nom pour dire, ce régime, eh bien, c'est aussi l'œuvre d'un homme. Périclès. Alors. Livre 2, donc, platé. 2. Alors, livre 2, platé. Livre 2, en raison 2, malheureusement Του δε θέρους ευθύ αρχωμένου, πελοπονίσει και εξήμαχοι τα δύο μέρη, ώσπερ και το πρώτον εσέβαλον εις την Αττική, γη το δε αρχίδαμο ω ευξηδάμου, λακεδαιμονίων βασιλεύ και καθεζόμενοι εδίουν την γη. Les Péloponnésiens et leurs alliés n'étaient encore que depuis peu de jours en Attique quand l'épidémie se mit à sévir parmi les Athéniens. Pour moi, je dirais comment cette maladie se présentait, les signes à observer pour pouvoir le mieux, si jamais elle se reproduisait, profiter d'un savoir préalable et n'être pas devant l'inconnu. Voilà ce que j'exposerai, après avoir en personne souffert du mal et avoir vu en personne d'autres gens atteints. Cette année-là de l'aveu unanime se trouvait en fait privilégiée par la rareté des autres indispositions. Mais les affections antérieures, quand il y en avait, finirent toutes par tourner à ce mal. En général, pourtant, rien ne lui fournissait de point de départ. Il vous prenait soudainement en pleine santé. On avait tout d'abord de fortes sensations de chaud à la tête les yeux étaient rouges et enflammés au-dedans, le pharynx et la langue étaient à vif. Le souffle sortait irrégulier et fétide. Puis survenait, à la suite de ces premiers symptômes, l'éternuement et l'enrouement. Alors, en peu de temps, le mal descendait sur la poitrine, avec accompagnement de fortes toux. Lorsqu'il se fixait sur le cœur, celui-ci en était retourné, et il survenait des évacuations de bile sous toutes les formes pour lesquelles les médecins ont des noms, cela avec des malaises terribles à cela s'ajoutait de façon continue l'impossibilité de trouver le repos et l'insomnie le corps pendant la période active de la maladie ne s'épuisait pas il résistait même de façon surprenante aux souffrances aussi deux cas se produisaient ils ou bien et c'était le cas le plus fréquent on mourait au bout de huit ou de six jours sous l'effet de ce feu intérieur sans avoir perdu toutes ses forces ou bien si l'on réchappait, la maladie descendait sur l'intestin, de fortes ulcérations s'y produisaient en même temps que s'installait la diarrhée liquide et en général, on mourait plus tard de l'épuisement qui en résultait. Ce qui intéresse Lucie là aussi, ça ne sera pas de faire frissonner son auditoire en évoquant telle ou telle tragédie touchant telle famille, etc. Or, Périclès a perdu deux de ses fils. Bon. Donc, euh, Thucydide lui-même a été atteint par la peste. L'idée géniale de Périclès ayant été de transformer Athènes en île, en quelque sorte. Hein, mais avec une épidémie comme la peste, évidemment, cette idée... D'ailleurs, euh, Périclès va mourir. Périclès, de, de, absolument. De... Il y a eu énormément que... de morts, mais ce qui a intéressé aussi Thucydide, et là aussi, c'est toujours en s'élevant au-delà de l'événement, je dirais, dans sa nudité, euh, nous montrer les conséquences de ce type de catastrophe sur l'état des esprits, les mentalités. C'est à ce moment-là, évidemment, au moment de la peste, que euh, Périclès. Euh, voit la confiance envers sa politique disparaître, bien sûr. Il va d'ailleurs, en effet, périr de cette peste lui-même. Et Thucydide, lui, cherche à analyser, c'est ça qui est vraiment, est toujours extraordinairement fascinant quand on lit aujourd'hui encore son œuvre, c'est que au lieu de rechercher le pathétique, qui, je dirais, va de soi dans cette évocation, mmh. il y a non seulement beaucoup de pudeur, mais surtout un effort pour analyser les conséquences sur ce qui reste au cœur de ses préoccupations, le récit de sa guerre. Alors, évidemment, euh, euh, cette peste a des conséquences catastrophiques sur l'état des esprits à Athènes, et il faudra. Euh, ce que nous allons voir avec le livre 3 une série de victoires pour que les Athéniens reprennent courage et pensent même, à certains moments, conduits par l'un des successeurs de Périclès qui est Cléon et qui est la bête noire de Thucydide, on le devine. Il le... Mais là, on le devine assez précisément. Absolument. De par son récit, <laughs> euh, car c'est ce Cléon qui lui a valu d'être exilé après son échec au, à Amphipolis. Donc, ce Cléon euh, que nous connaissons très bien par Aristophane aussi. Mais Aristophane, c'est le grand comique ah oui, euh, politique. Dans, dans, les... dans les cavaliers. Voilà. Il y a le euh, personnage de Cléon. le personnage de Cléon. Alors, ce personnage de Cléon, c'était un démocrate, mais alors d'extrême gauche. Et ses euh, conflits avec Nicias, le démocrate modéré, euh, ont indiscutablement défrayé la chronique athénienne du temps. Et aussi bien Aristophane que Thucydide ne cessent de vitupérer, avec des termes choisis et, et, et sans colère trop apparente chez Thucydide, ce n'est pas le cas chez Cléon, contre euh, ce démagogue qui est prêt aux plus folles promesses pour euh, satisfaire ses concitoyens. Cléon euh, chez Thucydide euh, représente comme je veux dire l'antithèse de Périclès c'est à dire que euh, Cléon, euh, ce que l'on sait de lui il est un personnage qui est tout à fait à l'opposé de Périclès, d'abord par ses origines sociales. Patrice Brun. Périclès est un, est un aristocrate issu d'une très grande famille athénienne, comme Thucydide d'ailleurs. Il y a, je dirais, une, une proximité de classe entre Thucydide et, et Périclès qui est tout à fait nette. Cléon, lui, est propriétaire d'une tannerie. Alors, n'imaginez pas une seule seconde qu'il qu tanne les peaux lui-même. Il a bien entendu un atelier dans lequel il fait travailler des esclaves. Donc déjà, il y a cette position sociologique. Et puis, il y a aussi une, je dirais, une, une vision de la pratique politique. Euh, Périclès était quelqu'un qui euh, avait une, une, une très forte ascendance sur le, sur le peuple, euh, qu'il marquait à la fois à l'Assemblée et euh, sur le champ de bataille. Euh, Cléon est avant tout un orateur. Alors, un orateur, pas à la manière de Périclès, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une, un, un, un discours, si vous voulez, tel qu'on peut le voir au travers de Thucydide, beaucoup plus direct que Périclès. Il s'adresse finalement beaucoup plus au peuple, je dirais, au, au sens, les catégories les plus basses, socialement, de, de la société athénienne, alors que les discours de Périclès, tels qu'on peut les, les reconstruire avec les, le texte de Thucydide, nous montrent qu'il qu s'adresse en quelque sorte à une, une je dirais, à une oui. tout de même ce que Thucydide euh, marque euh, bien dans la différence entre les deux hommes, et je crois que ça, c'est quand même une donnée essentielle c'est que l'un ne plie pas, ne ploie pas sous le joug de l'opinion, euh, alors que l'autre, si c'est à dire que Périclès, au fond, euh, guide l'opinion et ne s'y soumet pas, alors que Cléon. En quelque sorte, flatte l'opinion. Oui, mais là encore, il y a de la part de Thucydide des choix dans, dans sa présentation. Car imaginez que Périclès ait été élu quinze fois de rang stratège, sans qu'à aucun moment il n'ait, comme dirait Thucydide et comme vous de, venez de le dire vous-même, flatté le peuple, c'est proprement inimaginable. La vision de Thucydide vis-à-vis euh, -vis de Périclès est une image totalement idéalisée. D'ailleurs, on le voit très bien lorsqu'on a d'autres sources. Je pense par exemple à certains passages d'Aristophane ou de Plutarque qui nous montrent un Périclès tout à fait différent, dans lequel il y a de très fortes critiques sur sa, sur sa politique. Périclès est quelqu'un qui, pour parler comme les, les, les hommes politiques à présent, a souvent les mains dans le cambouis, et de la même manière que, de la même manière que Cléon. Mais dire, dire que Cléon, finalement, flatte le peuple alors que Périclès ne le flattait pas, mais ça, c'est une chose pour laquelle nous n'avons enfin, strictement aucun moyen de confirmer ce propos, sinon les analyses totalement biaisées de Thucydide. Vous voyez, on a, on a un, un vrai problème. Nous n'avons en gros qu'un texte. Sur oui. la vie politique athénienne euh, à l'époque euh, du début de la guerre du Péloponnèse, on va dire entre 430 et, et 410, nous n'avons qu'un texte. Et ce texte, plus on le décortique, et plus on s'aperçoit qu'il y a, allez, je vais lâcher le mot, de la mauvaise foi chez Thucydide. Si vous voyez, il y a, il y a un, un parti pris qui le montre systématiquement à dire que Cléon flatte le peuple. Mais dans ce qu'il nous dit, on ne voit pas en quoi il flatte le peuple. Quand Cléon propose, euh, par exemple, de, de, de prendre la direction des opérations pour mener une armée euh, et euh, aller capturer des, des Spartiates, on ne voit pas en quoi il flatte le peuple. Il prend ses responsabilités. Et hors ça, euh, assez systématiquement, Thucydide soit l'occulte, soit le tournant ridicule. C'est là-dessus vous voyez qu'on que, qu peut, qu peut avoir une vision critique de Thucydide. Il faut prendre Thucydide sais, au pied de la lettre, puisque c'est un principe de la philologie, hein. étudier les choses de, de, de très près, ça c'est clair, euh, quant à euh, lui donner systématiquement raison et, ne, et penser que c'est la vérité établie. Euh, non, sans, sans, sans doute pas, bien que le plus souvent, il faut le dire, dans le récit de la guerre du Peloponnèse, qui est d'une densité extraordinaire, on n'a euh, guère le moyen de le prendre en faute. Euh, on peut euh, au mieux euh, Denis Knopfler. modifier la perspective ou euh, le, 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 le compléter, Le compléter précisément grâce à, à, à des documents euh, épigraphiques. Qui sont, euh, ces documents sont nombreux pour, euh, dans l'Athènes, euh, pas seulement Athènes, mais en particulier Athènes, dans cette Athènes impériale qui euh, non seulement prend des décisions d'une très grande portée. Euh, à la fois pour elle-même et pour ses, ses alliés qui sont devenus des sujets, euh, et qui, d'autre part, les exposent de façon euh, grandiose euh, et coûteuse sur, sur l'acropole. Donc, Thucydide voyait ces documents. Vous avez par exemple un, un, un document qui était extrêmement majestueux, c'était la liste sur des maîtres de haut euh, du tribut versé par euh, les, les alliés à partir de l'année 454. Il y a une espèce de, de petite révolution qui se fait en 454, 30 ans, euh, 25 ans avant le début de la guerre, où on transfère le trésor de la ligue qui était dans l'île de Délos si vous voulez, un endroit un peu central et neutre d'une certaine manière, on le transporte sur l'Acropole même d'Athènes, pour des raisons de, 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 de sécurité. Désormais, donc, Athéna, c'est-à-dire les Athéniens, ont la haute main sur ce, sur ce trésor, et c'est ce qui nous a valu d'ailleurs euh, la confection de cette stèle et de ces stèles, qui, euh, de manière systématique, euh, nous donnent la liste année après année, des, des contributions, non pas de ce que chaque cité et peuple, ils sont plusieurs centaines, paye le montant, pas le montant total, mais euh, si vous voulez une part, un soixantième, qui précisément est destiné à la déesse Athéna. Et c'est pourquoi on grave cela dans le marbre. C'est ce qui va euh, retomber dans la caisse du trésor sacré d'Athéna. Bon, donc ces documents sont pour l'historien euh, extrêmement euh, précieux. Ils nous donnent une vue complète. De l'empire athénien, de toutes les cités, et l'on constate que fondamentalement, le témoignage de ces documents ne contredit pas celui de Thucydide, qui, dans un discours célèbre de, de, de Périclès au livre deux, où Périclès fait, donne l'état des finances d'Athènes au moment où se déclarent les hostilités, pour encourager. Euh, les Athéniens à soutenir la guerre, leur dit voilà, euh, dans le trésor euh, de l'acropole, il y a tant et tant de, de talents, et il y a aussi le revenu annuel qui est de euh, 600 talents, le revenu annuel de l'Empire. Euh, 600 talents, c'est une somme euh, très oh, importante, puisqu'un talent, c'est 25 kilos euh, d'argent, hein, et ce montant, il n'est pas trop éloigné de celui qu'on peut euh, établir grâce à ces listes. Donc, là, on peut dire qu'il y a convergence entre les documents et le texte de Thucydide. Et Thucydide laisse entendre qu'après Périclès, la politique athénienne a, a changé considérablement, que ses successeurs ont commis des fautes que Périclès n'aurait jamais euh, Comme Is lui-même, euh, qui était beaucoup plus prudent, euh, il aurait renoncé à toute euh, entreprise aventureuse, tandis que ses successeurs euh, sont parfois euh, très téméraires, avec aussi quelques succès. Ils sont surtout très durs à l'égard des alliés que l'on pressure, parce que la guerre coûte cher et il faut constamment trouver des, de des sources de, de financement pour, pour la guerre. Et alors précisément ces, 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 ces textes. Euh, et notamment euh, un, un des plus fameux qui est euh, un décret d'athènes euh, obligeant les alliés à accepter la monnaie d'athènes et à renoncer à leur propre monnayage donc une mesure on ne peut plus impérialiste que l'on a pendant très très longtemps daté des années 440 et aujourd'hui il s'avère que euh, bien plus tôt, c'est euh, un texte des années 425. Vous voyez que la perspective en guerre, change quoi. La perspective change. Ouais. Désormais, l'impérialisme le plus rigoureux, euh, il appartient à l'époque disons de la première phase de la guerre du Péloponnèse. C'est évidemment important, on peut s'étonner. Alors, on peut s'étonner, évidemment, c'est aussi la conséquence de cette datation nouvelle que tu s'y dis... N'y est pas fait allusion, puisque c'était quand même une mesure politique, impérialiste, de, de, de très grande envergure. Il y a là un silence, a un silence sur, sur, surprenant. Comment est-ce euh, qu'on l'explique euh... C'est tout le problème de son information, qui le plus souvent est, est, est excellente, mais vous savez que tout historien doit faire des choix. Euh, ces choix euh, peuvent, précisément dans certains cas rares, euh, paraître un peu, un peu discutables. Parfois, les, les, les choix sont, si vous voulez, d'importance secondaire, mais on peut les observer. Récemment encore, récemment encore euh, a, a été trouvé dans les fouilles euh, d'Athènes qui ont euh, précédé la construction du fameux métropolitain, du métro d'Athènes, qui était construction remarquable, d'état moderne, qui a donné lieu à beaucoup de découvertes, on a découvert une très belle stèle, euh, surmontée d'un relief, qui est la liste de soldats morts dans deux batailles de la guerre du Péloponnèse. Et clairement, euh, euh, du début de la guerre du Péloponnèse, le texte dit, voilà ceux qui sont morts à Pétanon, à Spartolos et à Tanagra. Euh, que fait l'historien Le texte est encore inédit, mais on en saura plus dans, dans, dans quelques temps. Spartolos, c'est effectivement une bataille que, que Thucydide a, a, a décrite, qui a été importante, dans le, encore une fois dans le nord de la Grèce, euh, en 429, sa, sauf erreur. Mais, euh, dans cette année, il n'y a pas de conflit à Tanagra, on sait aussi, on ne sait pas ce qui s'est passé à Tanagra. Euh, donc, voilà un cas tout à fait précis où on, 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 Si vous voulez, on, on mm -hmm. peut... Prendre Thucydide sur, non pas le fait, il s'agit pas de délit, mais il a dû faire un choix. Dans son esprit, Spartolos, événement auquel il consacre plusieurs pages, était quelque chose de beaucoup plus important qu'un autre théâtre, un autre d'opération qu'il a passé sous silence, en l'occurrence. Cela dit, il faut reconnaître que Nicias et Cléon ont quand même su rétablir la situation au moins militaire et que le livre 3 de Thucydide nous montre un certain nombre de faits inquiétants parce qu'il est question de la révolte, par exemple, de la cité de Mytilène à Lesbos. Donc il y a des révoltes dans l'Empire. Devant cette faiblesse d'Athènes touchée par euh, la peste, indiscutablement, des velléités d'autonomie se font sentir. Il y a aussi cette initiative d'un autre stratège, Démostène, qui va fortifier, qui va fortifier, qui étant un peu inoccupé, pour euh, occuper ses troupes, fortifie, sur la côte de Pylos, n'est-ce pas, fortifie un petit bastion. Monique Prédé. Et euh, cette initiative, qui à l'origine, semble-t-il, n'est pas euh, absolument avec des, des, des projets stratégiques euh, très importants, va aboutir à ce que les Spartiates, souhaitant se débarrasser des escadrons athéniens qui les gênent sur leur côte, vont aller d'échec en échec, d'erreur en erreur, et que les Athéniens vont se trouver maîtres de troupes Spartiates qui devaient attaquer. Pylos, mais qui se, sont trouvés, qui se sont fait prendre sur le petit îlot de Sphacterie. Et ceci va évidemment redonner à Athènes une flamme extraordinaire. Et dans le livre 4, nous voyons Athènes reprendre du poil de la bête. Et au moment où, aux yeux de Thucydide, c'eût été le moment pour faire une paix et conclure une paix honorable, les Athéniens... Euh, pensent que tout leur va leur être permis que c'est au contraire une occasion qu'il ne faut pas laisser passer et une politique de guerre extrême va être conduite par Cléon malgré euh, les euh, avertissements de gens plus sensés comme Nicias. Cléon arrivera même à se saisir des Spartiates qui sont immobilisés à Sphacterie, nous sommes maintenant au livre 4 et euh, c'est là que Brasidas, voyant que la situation de Sparte Devient très mauvaise, décide non plus de réagir aux attaques euh, athéniennes, mais d'aller prendre l'initiative euh, d'attaquer euh, Athènes dans son empire. À la fin du livre 4, la campagne de Brasidas est très victorieuse et à nouveau on se trouve dans une situation où Athènes est menacée. Ce qui va arriver, c'est que dans une grande bataille autour d'Amphipolis, justement, où il n'y a plus Thucydide pour défendre Amphipolis, mais Cléon, Cléon et Brasidas vont finalement périr l'un et l'autre dans cette bataille. Et dans les deux cités qui sont épuisées par dix ans de guerre, les modérés vont prendre le dessus et nous allons avoir la paix qu'on appelle la paix de Nicias. Alors, Alors ça c'est très intéressant parce que, évidemment, c'est une paix euh, qui passe pour une grande victoire de part et d'autre. Et seul Thucydide va euh, comprendre que c'est euh, une. Ben euh, pour rien, un si coup d'épée dans l'eau en quelque sorte. Si on lit les orateurs, ou si on lit même d'autres historiens, malheureusement, un grand nombre des euh, continuateurs de Thucydide ou des historiens postérieurs à Thucydide, nous ne les connaissons que par fragments. Mais on voit que la vision des choses était qu'il y a eu trois conflits. Il y aura eu la guerre de dix ans, 431-421, oui. la campagne de Sicile, qui, elle, intervient en 415, donc vous voyez, après six ans de paix. Et puis, après la campagne de Sicile, ce qu'on a appelé la guerre de Décélie, c'est-à-dire que c'est Sparte qui a pris l'initiative de fortifier au nord de l'Attique un fort... Enfin, petite place, et qui régulièrement soumet euh, l'Athique à des incursions euh, tout à fait dommageables. Et cette guerre de Décilie se terminera par cette énorme défaite navale, qui est la défaite d'Aïgos Potamos, qui met fin à l'Empire d'Athènes et à la guerre euh, du Péloponnèse, donc en 404. Bien. Or, Thucydide nous dit, mais en réalité il n'y a eu qu'un conflit, un conflit qui a duré trente ans. Car euh, la paix qui a suivi la paix de dix ans n'a été, été qu'une paix fourrée. Aucune des deux cités n'a rempli ses engagements. Athènes n'a pas rendu toutes ses possessions de l'Empire comme elle devait le faire. Sparte n'a pas non plus rendu les cités qu'il avait gagnées. Donc c'est une fausse paix. Et pour Thucydide, il n'y a eu qu'une seule guerre. Et ça aussi, c'est un coup de génie. Je veux dire, c'est une, une analyse entièrement due à une euh, réflexion d'une force politique et intellectuelle qui nous sidère encore aujourd'hui. Il y a, chez Thucydide, une cohérence qui est absolument remarquable. Il y a une rigueur dans l'exposé, notamment dans la recherche des causes. Et ça, c'est très, très important. Parce que c'est en cela, si vous voulez, que souvent on dit que Thucydide est quelque part... Patrice Brun. Euh, comment dire un, un, un historien un petit peu à la façon moderne, à savoir cette recherche des causes. Eh bien, il a, euh, il a défini l'histoire de la guerre du Péloponnèse, 431-404, comme un tout. Or quand on regarde les textes, notamment de Xénophon, des enfin, textes de peu postérieurs, les Grecs voyaient deux événements, deux guerres différentes entre 431 et 421, les, les dix premières années, que l'on appelle soit alors, la guerre archidamique du nom du roi de Sparte, Archidamos, ou alors la guerre des dix ans. Et puis, entre 413 et 404, on l'appelle la guerre d'Ionie, vous voyez. Il y, a, il y avait deux guerres bien différenciées durant cette période-là, et, et, et il n'est pas sûr que les Grecs à ce moment là, dans la deuxième guerre dite d'Ionie, est vue en quelque sorte l'unité de la période. Parce que vous savez, en, en Grèce, ben, les guerres c'est permanent presque. Donc si vous voulez euh, une, en quelque sorte tailler une période de vingt sept ans quatre euh, euh, cent trente et un quatre c'est une, une forme de hardiesse intellectuelle pour le temps. Et euh, encore une fois, la, la, la cohérence et, et la force d'analyse de Thucydide a fait que euh, très vite la guerre du Péloponnèse, le terme guerre du Péloponnèse, s'est peu à peu imposé. On va dire à l'époque romaine, elle s'impose. Est Est-ce que vous pensez vous qu'il n'y a pas eu une guerre du Péloponnèse C'est assez difficile à dire. Euh, euh, on... Est-ce que vous pensez que la vision de Thucydide de faire une unité de, de, de ces deux morceaux de guerre séparés par une paix euh, N'est pas tout à fait une idée juste Alors hein. je pense qu'elle est tout à fait juste en ce qui concerne Athènes. Euh, en 404 puis 403, Athènes a vraiment tourné une page. Donc c'est la vision athénienne donc. Ah, bah, c'est une vision athénienne. Par contre, je pense notamment à, à tout ce qui se passe en Asie mineure à partir des années 412-411, où on voit le roi de Perse entrer directement dans le jeu politique des différentes cités grecques, on peut considérer que, que la guerre euh, du roi se termine 18 ans après en 386 au moment de ce qu'on appelait la paix du roi. Donc vous voyez, 404 l'unité de la période correspond vraiment à une vision athénocentrique de de l'histoire. Metadetta anagogie des et plis il y a aussi un très beau passage et là aussi très actuel, enfin, très brûlant aujourd'hui, de la manière dont les mots sont réutilisés en leur contraire. C'est très juste, Et ça, c'est très intéressant parce que, euh, comme en effet euh, les sophistes ont à y voir, sa formation, la, la alerté et la mise à l'écoute. Thucydide voit très très bien comment on manipule la langue. L'un des je dirais l'un des jeux et le plaisir quand on lit Thucydide, le plaisir de trouver telle parole avec tel sens noble chez Périclès et la même parole dans la, mise ensuite dans la bouche d'Alcibiade ou de Cléon avec des connotations beaucoup plus inquiétantes. Lorsque euh, Périclès dit Il faut être conscient que votre domination est un empire, euh, c'est pour inciter les uns et les autres, certes, à défendre cet empire, mais à, à ne pas séparer cet empire de l'incarnation d'un certain nombre de valeurs. Bien. Lorsque Cléon dit euh, « Votre euh, domination est un empire », eh bien, c'est pour ajouter, et donc, si vous laissez une révolte impunie, c'est fini, donc, passons les hommes par les armes et euh, vendons les femmes et les enfants en esclavage. Donc, le contexte est assez différent. Et lorsque... Alcibiade reprend ce type de formule pour montrer que, puisque ce pouvoir athénien est un empire, par définition un empire étant menacé doit réagir par une politique perpétuellement agressive et, et d'extension de l'empire, là aussi on tombe dans une espèce de, de cycle de la force qui ne s'arrête pas, qui, qui n'avait pas, qui semble-t-il en tout cas dans les paroles que lui prête. Thucydide n'avait pas du tout été envisagé par Périclès. Donc c'est intéressant de voir comme euh, les slogans politiques et les mêmes termes peuvent être repris dans des contextes différents avec des connotations tout à fait différentes. Et même opposées. Et, et c'est opposé. intéressant parce que là, là aussi Thucydide fait l'autopsie du mot. C'est tout à fait juste. Et alors il y a ce fameux passage, je suppose que c'est là que vous vouliez m'amener, euh, avec euh, sur euh, la guerre civile euh, à Corcyre, qui est quelque chose d'extraordinaire, où Thucydide nous montre que le, le drame de la guerre du Péloponnèse a été que les deux régimes d'Athènes et de Sparte étant des régimes politiques différents. Nous avions déjà un monde bipolaire, comme on n'a pas manqué de le remarquer au moment de la guerre froide, et que donc tout le monde grec, l'ensemble des cités grecques, a été amené à soit prendre le parti d'Athènes, soit prendre le parti de Sparte. Et que tout le conflit à l'intérieur des cités devenait partie prenante de ce conflit général. Et aggravait évidemment euh, le, à l'intérieur des petites cités grecques les conflits. Et il y a eu comme exemple les troubles de la guerre civile de Corsire, où on voit que les massacres entre les uns et les autres ont été évidemment euh, absolument tragiques et, et horriblement douloureux. Et Thucydide s'arrête un instant pour analyser les troubles de la guerre civile et montre que, Bien sûr, un conflit, euh, une guerre civile dans une cité, cela trouble les rapports familiaux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction, de monde privé qui puisse échapper à ce type de conflit. Le père, le fils vont être ennemis, les frères sont les ennemis les uns des autres. Bon. Mais il montre aussi, et je reviens à cette question du langage que vous évoquiez tout à fait justement, que le sens même des mots euh, change et que euh, ce qui était euh, courage passe pour naïveté, euh, ce qui était réflexion passe pour duplicité, que les relations euh, d'amitié de, deviennent des relations partisanes, et qu'ainsi le vocabulaire lui-même, le contenu des mots, est complètement modifié par la situation euh, de conflit à l'intérieur de la cité. Et ça, c'est évidemment un texte qui a réjoui Hobbes, mais qui est un texte terrifiant, mais d'une perspicacité et d'une intelligence telle que on trouve malheureusement très souvent l'occasion d'y revenir. L'histoire contemporaine nous y renvoie ah oui, non, non. trop régulièrement. Ce livre 8 est aussi à certains égards euh, à part, pour d'autres raisons. Il est, est inachevé que, déjà. Vous l'avez dit. Il est, il est inachevé. Il, il, il s'interrompt de manière abrupte euh, à, à, à l'automne de l'année euh, 411. Donc, euh, nous n'avons pas la fin de la guerre du Péloponnèse. Et, il a commencé son travail euh, sans connaître la fin de la guerre. Certainement, il n'a pas attendu 404 pour se mettre à l'œuvre parce qu'il aurait eu déjà une foule de choses qui euh, auraient été difficiles de, de, de réunir. Non, non. Il, a, il le dit expressément dès que la guerre a commencé, j'ai senti que ce serait quelque chose de, 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 de tout à fait euh, important, j'ai commencé à réunir les informations et on, on voit par le livre 5 qu'il qu a connu les effets catastrophiques de cette guerre pour Athènes, le démantèlement de la muraille, des longs murs et la soumission à Sparte. Donc ça c'est important à savoir parce qu'il est clair qu'on n'écrit pas l'histoire d'une guerre. De la même façon, si on connaît ou si on ne connaît pas euh, l'issue, hein, c'est mmh. capital. Mais euh, bien qu'il ait dit qu'il avait écrit euh, jusqu'à la fin, il avait dû prendre des, en tout cas des notes le fait est que euh, ce, ce livre 8 est le dernier et il s'achève bien prématurément pour nous à l'année 411. Apparemment, il n'a pas fait de livre 9. Euh, dans le détail, on ne, on, on, on ne sait pas. Et, et, et nous avons une autre raison de penser qu'il a été interrompu dans la mise au point, c'est que le livre 8, chose remarquable, ne euh, comporte aucun discours. Vous savez que c'est une des particularités de l'obtutiside que d'introduire ces, ces discours qui sont peut-être pour nous une chose un peu surprenante, puisqu'il n'a pas pu les relever exactement, il les reconstruit. Bon. Mais c'était une chose qu'il faisait probablement dans une seconde phase de son travail d'élaboration, et dans le cas du livre 8, il n'a pas, pas visiblement eu le temps d'exécuter ce projet. Donc ce, ce livre 8 est particulier à cet égard, il l'est encore pour une autre raison c'est que euh, c'est un livre tumultueux, euh, portant essentiellement sur l'année 411, qui voit à Athènes le renversement, le renversement du régime euh, démocratique, euh, qui était fondamental, qui, qui était euh, euh, lié justement à cet euh, impérialisme euh, de, de, de Périclès. Donc c'est un, un, un tournant, même si ce gouvernement oligarchique qui se met en place en 411 n'a pas duré très très, très longtemps. Dans le livre 8, Thucydide accorde une place très importante aux affaires internes d'Athènes, pas seulement les opérations euh, militaires. C'était très fortement imbriqué. Et alors, je, euh, précisément, le passage que j'aimerais mettre maintenant en, en évidence se situe tout à la fin de ce livre 8, à un moment euh, tout à fait critique de, de, de l'histoire d'Athènes, au moment où ce régime oligarchique, qu'on appelle le régime des 400, qui est installé au printemps 411, qui ne va durer que quelques mois, euh, se trouve vraiment euh, aux, aux abois. Il, il, il suscite évidemment l'opposition de, de beaucoup, et il ne peut tenir que s'il a l'appui euh, de l'adversaire, puisque euh, les oligarques, proches idéologiquement de Sparte, attendent en quelque sorte, c'est le paradoxe, le, le soutien de l'ennemi pour tenir. Cette situation historique qui, qui, qui est connue par ailleurs, on a des exemples dans l'histoire moderne et contemporaine. Donc, nous sommes là au mois de juin 411, on voit apparaître devant, euh, devant Athènes, devant le Pyrée, une flotte, une très importante flotte péloponésienne. Et les oligarques mettent tout leur espoir dans euh, l'arrivée de cette flotte qui leur permettra de rester, re, rester au pouvoir, tandis que beaucoup d'Athéniens, au contraire, euh, euh, prennent les armes et, et veulent défendre leur, leur cité contre cette euh, flotte importante. Mais euh, Thucydide note que cette flotte... Euh, euh, change apparemment ou que l'amiral change apparemment d'avis et il se dirige, il contourne toute l'Atique, la péninsule de lattique et il se dirige vers l'île de B. Pourquoi l'île de B C'est que l'île de B était en quatre une des seules parties de l'Empire qui tenait encore. Et de Lebé, euh, la longue île qui protège en quelque sorte toute la, la façade est de la péninsule, euh, les Athéniens tiraient de grands euh, profits. Euh, disons que c'était leur euh, grenier en quelque sorte. Et, et pour eux, du, tu sais, dit pour eux, en quatre, euh, à partir de 413, après l'affreuse la, la euh, expédition de, de, de Sicile, euh, Lebé était tout pour eux. Tout pour eux. C'est une phrase de, 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 de Thucydide. Alors, euh, on, on voit que euh, donc les Spartiates ont compris cela de, de longue date. Ils vont euh, tâcher de détacher euh, le baie pour, en quelque sorte, affamer euh, Athènes. Mmh. Les Athéniens comprennent cela, évidemment, mmh. ils, ils, sont, ils sont lucides. Et malgré l'état catastrophique de leurs affaires, ils envoient en, euh, en toute hâte une petite flotte. Qui va mouiller dans le, le, le port de la cité d'Eretri, des principales cités de l'île de, de B, très proche du continent, à, à, à 10 km du, du, du continent, dans le port d'Oropos. C'est là, dans ce port d'Oropos, que mouille, en, au contraire, la flotte péloponésienne. Les deux flottes sont face donc à face, dix oui. kilomètres les séparent. Je voudrais pouvoir naturellement faire le récit de cette bataille maritime, la, la dernière, narrée par Thucydide sur place, parce qu'on comprendrait beaucoup mieux les, les, les choses. Mais euh, il faut essayer de l'évoquer ainsi. donc les, les Athéniens sont arrivés à Érythrée euh, en, en catastrophe, ils essayent de se ravitailler dans, dans cette ville qui leur, qui leur appartient d'une certaine manière, mais les gens d'Érythrée font des signes Kilomètres séparent depuis l'acropole, sans doute, à la flotte, euh, la flotte lacédémonienne, pour qu'elle vienne euh, en toute hâte surprendre les Athéniens en plein préparatif. Hein. Et, et, et de fait, la, la bataille va se, se, Donc, se livrer. Ils trahissent. Ils trahissent. Ils trahissent, mais à l'insu des Athéniens. Hein. Ils, sont, ils, sont, ils font un signe avec un bouclier euh, lumineux. Euh, euh, et, et, la, et la flotte péloponésienne, qui est, qui est, qui est forte, de, de plusieurs euh, bâtiments euh, alliés, traverse en toute hâte, surprend les Athéniens en plein préparatif dans le port d'Érétrie. La bataille n'est pas, pas très, très, très longue. Les Athéniens ont très vite le dessous. Ils débarquent, ou en tout cas certains d'entre eux dé débarquent. Et euh, parce qu'ils sont certains, euh, dit Thucydide, qu'ils arrivent dans une cité amie. Ami bien. Ais, Ils arrivent dans une cité amie. En fait, ils sont extrêmement maltraités. Ils sont tués. Ils sont massacrés. Le mot de, de, de Thucydide est, est très fort. C'est un, un, un massacre. Alors, euh, encore une fois, le, le récit de Thucydide est d'une parfaite limpidité. Et et d'une grande cruauté. Et d'une grande cruauté. Hein. Euh, il, il ne paraît à première vue ne poser aucun problème. Et de fait, euh, les commentateurs sont peu attardés, euh, étant donné qu'on euh, a l'impression d'un récit qui est parfaitement clair. Mais à la réflexion, euh, il y a un problème très sérieux qui, 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 qui se pose. Comment se fait-il que les Athéniens aient pu considérer ces gens d'Érétrie comme des amis Est-ce qu'il n'y a pas là une erreur euh, incroyable de la part de gens pourtant lucides, les Athéniens ne sont pas les, les premiers venus, et ils ont manifesté tout au long de, de ces années de guerre leur perspicacité, ouais. parce que, en réalité, on le voit à travers Thucydide, euh, depuis la défaite de la Sicile, ces gens d'Eretrie, euh, ceux de Lebé en général, ou il y a d'autres cités, sont décidés et font toutes sortes de démarches pour faire défection. Ils sont les premiers à envoyer des, des, des négociateurs auprès des, des gens de Sparte. Ils préparent la défection. Depuis deux ans, ils préparent la défection. Comment se, se ferait-il que Thucydide, lui, en ait été informé et que les Athéniens, dans leur majorité, euh, puissent pas mmh. euh, se bercer de l'illusion qu'ils avaient là une cité mmh. alliée Eh bien, il n'y a qu'une façon de l'expliquer, c'est que Thucydide a omis de nous dire quelque chose. Très important, je ne lui, je, il ne s'agit pas de lui en faire grief, euh, le, 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 tout s'explique, je crois, par le caractère inachevé de ce livre 8, où il aurait dû mettre la dernière main, préciser euh, certaines choses. Si les Athéniens ont pu croire que la cité d'Erétrie était alliée, c'est que dans cette cité, comme dans d'autres cités, beaucoup d'autres cités, il y avait eu précédemment quelques. Mois, semaines avant, un renversement de régime exactement semblable à celui d'Athènes, et d'ailleurs voulu, programmé par ces oligarques qu'on appelle les 400, qui établissaient dans les cités un gouvernement oligarchique dans l'espoir que désormais ces cités cesseraient de comploter, puisque les principaux adversaires d'Athènes étaient des démocrates. Dès le moment où les oligarques seraient partout euh, aussi au pouvoir. Une union, des à, oligarques. Une, une, une union sacrée des oligarques. Absolument. Hein. Et c'est là, le, euh, si vous voulez, la cause de la fatale erreur des, des Athéniens. Ils ont cru que, euh, et, et euh, je, heureusement, je n'invente rien, parce que euh, cette analyse, Thucydide l'a faite de façon extrêmement claire pour l'île de Thasos. Il a, montré, il a montré que c est, c est, cette idée qu'en changeant de, ré, de régime, euh, on, on obtiendrait la confiance euh, des, des, des cités qui étaient en passe de, de, de faire défection, ça a été une illusion totale. Le problème, c'est que le lecteur, il ne fait pas du tout le rapprochement immédiat avec la situation à Tazos. Hein. Euh, Thucydide aurait dû expliquer euh, la preuve, c'est que... Jusqu'ici, personne n'a compris ce qui s'était passé à Érythrée, il aurait dû expliquer euh, euh, que là aussi, il y avait eu un changement euh, qui expliquait changement cette, régime, maîtrise, là, cette maîtrise fatale mmh. des, des, des Athéniens. Donc, euh, encore une fois, ne jetons pas la pierre à, à, à Thucydide, c'est un cas où il a été malheureusement beaucoup trop peu euh, explicite au point de tromper son, son lecteur le lecteur moderne euh, n'a pas, pas compris ce qui s'est passé à Erythrée, malgré la limpidité magnifique de ce récit de bataille qui est, à, 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 à tout autre point de vue, euh, parfait. Il faut quand même savoir que cette, cette vision extraordinaire et géographique de l'Athènes du 5e siècle, et au travers surtout de, de Thucydide, est quand même, je dirais, le, le propre de l'historiographie française. Euh, ça, si vous voulez, c'est tout à fait évident. Quand on, 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 on lit les, les auteurs allemands, enfin les, les historiens allemands ou les historiens anglo-saxons, on n'a pas du tout cette vision. Ah bon Est-ce que vous pouvez ah ben, nous, nous en dire un peu plus ah, C'est hein beaucoup plus critique. Enfin, je dire, il y a un, un historien euh, qui euh, extraordinaire, si vous qui s'appelle George Cockwell, qui est un, euh, un Oxfordien, un Oxonien, comme on dit maintenant, euh, redoutable, euh, qui a écrit euh, des, des travaux qui, qui alors, qui ne démontent pas Thucydide, sais mais qui le replace dans un contexte et qui replace surtout Athènes au Ve siècle dans son contexte, c'est-à-dire d'un contexte qui est très largement le fruit d'analyses postérieures. Regardez, je vais vous donner un exemple. Euh, montons sur l'Acropole d'Athènes maintenant. Qu'avons-nous Mais ben nous avons, en quelque sorte, figé la situation de l'Acropole au Ve siècle. On a gardé les Propylées, le temple d'Athéna Niké, les rectéones et, bien entendu, le Parthénon. Mais attendez, il n'y avait pas que ça. Il y avait au IVe siècle, il y a eu des constructions. Or, quand au XIXe siècle on a fait de l'Acropole un musée, un musée en plein air, eh bien. Ça a été un choix, que en quelque sorte, de ne remettre, de ne reconstituer, de ne reconstruire, de faire ce qu'on appelle des anastyloses, que pour les bâtiments du 5 siècle. En quelque sorte, on, on dit, ah oui, mais le 5 siècle sur l'acropole d'Athènes, c'est quelque chose Oui, bien sûr, parce que c'était un, un choix des archéologues du 19e. Ah, c'est très intéressant, en effet. Donc, vous pensez que nous autres Français avons tendance à lire la Grèce, avons, avons un symptôme d'âge d'or, d'une certaine façon, on pourrait presque dire. Oui, on a tout à fait un symptôme de l'âge d'or, et notamment ce qui concerne Athènes. Mais ce n'est pas un hasard, parce que là aussi, l'historiographie nous apprend beaucoup. Euh, Athènes euh, est, pour les historiens, on va dire à partir de Victor Durui, hein, vous voyez, euh, ça nous remonte donc au milieu du XIXe siècle. Oui. Athènes est en quelque sorte, et plus encore après euh, la création de la Troisième République, Athènes représente la France. Athènes, c'est la France. Athènes contre Sparte, au Ve siècle, c'est Athènes contre l'Allemagne. Cet aspect militariste, vous voyez, Sparte, toujours en guerre, un état guerrier, et tout, alors qu'Athènes, c'est euh, les lettres, c'est la, la, la civilisation, de la civilisation, l'état brut. Et au IVe siècle, les Spartiates sont remplacés par les Macédoniens, notamment par Philippe de Macédoine, où là, on a la même, même chose. Un état militarisé, un prince, et Athènes, elle, toujours la voie, la voie, en quelque sorte, de la sagesse et de la civilisation. Simplement, au IVe siècle, on a, au 5e siècle pardon, on a Thucydide, et au IVe siècle, on a Demosthène. En quelque sorte, vous voyez, Thucydide au 5 siècle, Démosthène au 4 siècle, joue d'une certaine manière euh, le même rôle dans la pensée euh, universitaire, oui, je dis surtout universitaire française de la Troisième République, dont nous avons encore bon, un écho un peu, un peu affaibli, mais nous avons encore quelques échos. Alors, vous nous invitez, si je comprends bien, Patrice Brun, à lire Thucydide de manière beaucoup plus vivante et vous nous reprochez de le fixer. Quand on le lit au pied de la lettre. Non, euh, non je ne me permettrai pas de faire des reproches. <laughs> non, en aucun cas. Euh, simplement, je crois que euh, tout texte historique, euh, quelle que soit la qualité littéraire, comme on dit chez nous aussi, scientifique du travail, doit être lu comme un document et non pas dont il y a affaire à faire la critique et pas uniquement l'exégèse. Parce que si c'est pour faire l'exégèse, on a des textes sacrés pour ça. À moins de considérer que l'histoire de la guerre du Péloponnèse Thucydide est un, un livre à l'égard euh, qui, d'une certaine, certaine, certaine manière, peut, être, peut, peut, peut ressembler à la Bible, au, au Coran ou aux évangiles, alors dans ces cas-là, on fait plus de critique, on fait euh, de l'exégèse et on est très bien. Mais si on est historien, si on essaie de faire un peu comme Thucydide, en quelque sorte, de, de rechercher toujours ce qu'il y a derrière, eh bien, on doit lire il est nécessaire de lire Thucydide, comme d'ailleurs tous les autres textes. D'une manière critique. Mais ça, si vous voulez, ce n'est pas, pas une attitude que doit, de méfiance que l'on doit avoir vis-à-vis -vis de, de Thucydide. C'est au contraire une attitude de respect vis-à-vis -vis de l'œuvre. On ne respecte jamais autant qu'une œuvre quand on est capable de bien la critiquer. Livre 8. Tissafer ne comprit que c'était encore l'ouvrage des Péloponnésiens, comme déjà l'affaire de Milet et celle de Cnide. Là aussi, sa garnison avait été expulsée. Il estima que les accusations l'avaient vraiment compromis à leurs yeux, et il craignit qu'ils ne lui fissent encore du mal. En même temps, il souffrait à l'idée que Pharnabaz, qui les avait avec lui depuis moins longtemps et à moindre frais, réussirait peut-être mieux que lui dans ses entreprises contre les Athéniens. C'est pourquoi il entendait se rendre auprès d'eux dans les lespons, tant pour leur reprocher les événements d'Antandros, que pour répondre avec le plus d'apparence possible aux accusations concernant aussi bien les navires phéniciens que les autres questions. Ainsi, il arriva d'abord à Éphèse, où il offrit un sacrifice à Artémis. Quand on en sera à la fin de l'hiver qui suit cet été, cela achève la vingt et unième année. Thucydide est complété par Xénophon, qui commence par après cela. Donc, indiscutablement, le récit de Xénophon se présente comme une suite à Thucydide après cela. C'était Une vie, une œuvre, Thucydide, historien de la guerre du Péloponnèse, par Christine Gohémé. Avec Monique Trédé, Patrice Brun, Denis Knopfler, Charles Rath. Texte lu par Nikos Grékos et Thibaut de Montalembert. Prise de son, Jean-Pierre Pernel francis pascal mixage noélie pelgrin réalisation françois conat